De la pâquerette, elle-même un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on est en train de découvrir que les enfants avaient devancé les scientifiques, puisque en fait, le pas du tout se trouve, si vous faites le cycle normal, le pas du tout se trouve à la sixième position. Et les marguerites et les pâquerettes, qui sont les deux fleurs avec lesquelles donc, les enfants font ce jeu, en fait, le nombre de pétales obéit à la suite de Fibonacci. Donc en fait, il n'y a jamais de nombre de pétales divisible par 6. Ça, c'est des choses qu'on est en train de découvrir, que les scientifiques découvrent aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les enfants ont, grâce à leur observation, ont compris, intégré que le nombre de pétales de la marguerite ou de la pâquerette n'est pas divisible par 6 et ont placé donc le pas du tout en sixième position, ce qui fait que bah, c'est très rare de tomber sur le pas du tout.